avantages. Les avantages restent supérieurs aux risques. L'Agence européenne des médicaments a fait une première mise au point cet après-midi sur l'AstraZeneca après la décision de plusieurs pays de suspendre le vaccin. L'agence s'engage à évaluer au cas par cas les incidents signalés dans les différents pays. Elle rendra ses conclusions jeudi. Des consultations avant de nouvelles décisions. Emmanuel Macron a multiplié les rendez-vous ce soir. La Fédération hospitalière de France, le Conseil scientifique des médecins réanimateurs. Tout cela à la veille d'un nouveau Conseil de défense sanitaire. Près de 30 000 nouveaux cas positifs recensés ces dernières 24 heures en France compte un peu plus de 23 000 il y a une semaine. La pression sur les services de réanimation est également de plus en plus forte. Plus de 4 200 malades sont désormais pris en charge en réa au plus haut depuis la fin novembre. Plus d'un quart de ces patients sont hospitalisés en Île-de-France où la situation est particulièrement préoccupante. Le projet de loi sécurité globale examiné par les sénateurs depuis cet après-midi, texte toujours très contesté. Un rassemblement a eu lieu tout à l'heure près du palais du Luxembourg pour demander le retrait de l'article 24 réécrit en commission au Sénat. La Birmanie rend hommage à ses martyrs. Des dizaines de manifestants pro-démocratie ont été enterrés aujourd'hui après avoir été tués par les forces de sécurité. Ces derniers jours, plus de 180 civils ont trouvé la mort depuis le coup d'État du 1er février. Et puis une belle promotion pour Thomas Pesquet, l'astronaute français qui doit s'envoler le 22 avril pour sa deuxième mission sur la Station spatiale internationale. Il a été promu commandant de bord pour une partie de son séjour en orbite, plus précisément pendant un mois à la fin de sa mission de 6 mois. C'est la première fois qu'un astronaute français se voit désigné commandant de bord de l'ISS.